Salut le peuple, je suis Chris Tunix et nous revoici sur 7 Days pour cette dernière partie. Ah, le son commence à déconner. Alors nous sommes arrivés au septième jour. Et bien... Voilà. Donc on continue sur cette lancée. Jusqu'à maintenant, donc les séjours avant, on a vu, on devrait savoir qui est Sam. Pour le moment, on n'a pas encore contré. Par contre, on a trouvé sa chambre, qui est pour moi tout à fait suspecte, hein, quand on voit des traces de sang sur le lit et une espèce de monstre qui nous essaie de nous dire à peu près une vérité qu'on essaie de connaître. Donc arrivé donc là, d'accord, c'est quoi ce bruit? On est enfin à l'extérieur. Ouais, du. Tu me l'as refait? Attends. Ouais, j'ai vu bien un visage au loin, là, dans le noir. Ok, donc là. Ton fait, on est bien là, à l'intérieur. Bon, allez, on va regarder ce qui c'est. Quoi, Ron? Où ça? Il est où? Oh putain! Non, non, non! D'accord. Visage, je t'ai vu. Ok, donc là, il faut courir. Ok, donc voilà. Super content. Deb, run. Ah! Passez par là. Voilà. Ouvre-moi ça. Ah, voilà. On peut même fermer si on veut. Voilà. Donc là. Ok, donc cette porte est collée. D'accord. J'aime pas trop ce puits là. Non, j'aime pas trop. On va... Quoi? Oh là, oh là, oh là. On va aller tout droit. Ok, bah déjà, c'est fermé. On va revenir en arrière. Ouais. Ah, mais arrêtez avec ces sons, quoi! Agréable hein, dans un cimetière. De toute façon, il n'y a que ça. C'est quoi ça? Ah, une tombe. Ok, donc là aussi. Une pelle. On va faire tout le tour. Y'a rien. Cours, 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 cours! Non. Là-bas. Qu'est-ce qu'on a? Ok, donc il tombe. Oh! Wow! Tata, as the light covers the shadows. Shadow. Non! 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 Oh putain, ça a pété la gueule! Tire-toi! Ok.
On va rester. Calme-toi. Putain. Ouais. Calme-toi. Calme-toi. Je t'en supplie. C'est le fantôme de tout à l'heure, hein, que t'as vu. Ok. Calme-toi. Calme-toi. Cours. Pire. Cours. Bon, par contre. Oh, il y a du sang maintenant. Ah, et puis il y a un bruit assez. On va passer par là. Ah non, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Oh! Oh! C'était pas ça avant. Non! Comment ça a gonflé lui qui a part derrière moi? Oh! Bon, je dois faire quoi? J'ai une pioche. Une pioche. Une pelle! Et je dois quoi? Détirer des tombes, c'est ça? Apparemment. Tiens, on va commencer par celui-là. Voilà. Ouais. Ah mais d'abord, je m'équipe. Ah, ok. Quoi? Je ne sais pas. D'accord. Rien. Rien. Quoi? D'accord. Rien. Rien. Ok, on va passer au suivant. Tu fais peur, toi. Oui! Plein de tombes. Ah oui? Oui. Non, mais y a rien. Hein. Voilà, rien. Ouais. 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 Un petit son d'ailleurs pour dire comme quoi. Allez, quoi? Tu peux pas? Tu peux pas causer. Ah si. Ah, voilà. Je me prends pour un. Pour un. Comment ça s'appelle ceux qui travaillent au cimetière là? Croque-mort, voilà. Un croque-mort. Je enlève toutes les tombes. Non, apparemment, y a rien. Bon. Alors, une pièce. Voilà! Maintenant, il passe quoi? Oh! C'est quoi ça? Ok. D'accord. J'ai libéré un esprit. J'aime pas trop ça. Je me casse. Je me casse. Là, je peux ouvrir? Non, non, non. Je vais faire quoi là maintenant? Ah, tout droit. Peut-être que là-bas. C'est ouvert. Oh. 8e jour? Ah, 8e jour, mais je me réveille. Je me réveille. D'accord. Une espèce de rêve. Bon, allez. Allons vers cette porte toute seule. Ça fait un péter ma gueule. Ça pète à la gueule.
Non, c'est bon. Quoi? Ah non, 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 non. Non, pas ça, pas ça, pas ça, non, non. Oh putain, si je tourne arrière. Cours! 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 Hein? Quoi? Oh! 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 Oh, oh! Oh, yeah. Oh, d'accord. C'est génial. Et je dois faire quoi là? Je dois aller au pieu, c'est ça? Bah, allons au pieu, dans ce cas-là. Au lit. Le lit. Non, même pas. Ah, attends, j'ai peut-être mal visé, je crois. Mon lit. Allez. Non? Cage? Non plus. Bibliothèque? Non plus. Je vais faire une porte. Ouais, mais la porte. Ah non. D'accord, ça serait comme ça. 8e jour. Ah, j'ai une clé. La clé blanche de la première journée. Est-ce que c'est ça? Oh, attends. Déjà, ça pue là. Et c'est ça. On se retrouve. D'accord. Donc là, on se retrouve à la première journée, à la première pièce. Putain, ça me pète la gueule. Oh putain. Bon, bah allons le voir. Ouh, pas bien. Ou pas bien. Ou pas bien. Oui. Quoi? Ah, d'accord. Oh. Ok. Oui, je vais essayer me réveiller. Oh! Ouais. C'est ce que j'ai remarqué. Péter la gueule, je sais pas pourquoi. Asleep. C'est toi, Sam? Oula! Cours, cours. Bon, je mettrai traduction. Oh, bordel! Oui, bah, réveille-toi. Voilà. Voilà, donc c'était 7 Days. On a donc si j'ai compris, donc le gars qui essaie de se réveiller était dans un coma. Donc, bon, je mettrai la traduction ce que
ce qu'il disait. Et donc voilà. Ezra. Non, il n'y a rien. Donc voilà. Bah, c'est ainsi que s'achève Seven Days. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. On se trouve sur une prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas de mettre un pouce vert si vous avez aimé. N'oubliez pas aussi d'abonner aussi si vous avez aimé. De faire partager ma chaîne pour faire pompette. Voilà. Donc d'ici là, portez-vous bien et ciao!